Iko watu kwenye gari mkomunicate na wao, sija wakapiga wakadhani ni enemy. Ndio hiyo lungu. Room clearance, room clearance. La société, la police d'Haïti et la police kenyan yo débarqué dans Kafoupey sous bandi Savien yo, kap dirigé par Luxon Elan. Eh bien, pas ba menti, la police débalise base nan kote fè nan Kafoupey la. La police récupéré base Kafoupey la net. Et nous gen son, nous gen image, nous pral fò viv tout détail. Jean regarde là, ça c'est police kenyan yo la, kap déployé la. Et kote ke y a entré en dedans en caille et Luxon Elan lui-même li kon fonctionner ki donc ça c'est caille nan yo volé et caille diaspora fait dans zone nan yo comme si point caille là. Eh bien, il tape comme si fait affaire en dedans là. Eh bien, policiers kenyans et la police d'Haïti débarquent là, à côté que yo mettez dominanger plusieurs soldats. Wakale! Eh bien, c'est Bopi en paquet là qui sauve là, qui donc la police là débalise base de côté fait dans Kafoupey là. Pas oublier, après comme si Kafoupey là rete kounya là, puis envahi nèg yo nan sa vient. Pas oublier, base dans Kafoupey là, c'est yon. Nous avons dit son annexe lié pour nex sa vie yo. Mais c'est là tout yon te compose yo, puis yon capable comme si pour contrôle, puis c'est pour sonder. Eh bien, et dans moment là base ça débalise net la police reprend contrôle base dans côté fait dans Kafoupey là kounya là rete pour la police envahir nèg yo en dans sa vie c'est là m ka loué comme si que est-ce que la police a travaillé vrai kounya là là sous Kafoupey là pas un problème la police entre et tout près là when bout là là et la police débarque là li débalise nèg yo fait nèg courir ça tombe mais kounya là rete kounya en dans sa vie pour la police débarque kounya là al mette bagay nan men nèg yo pour suspend mette peuple là nan problème et yon l'autre côté policier soit ak itag mette bagay nan menti monsieur Jeff Kanarayo nan akaye bagay était tellement dégénéré pour nèg yo nèg était obligé mandé renfort et bien isolé même te voré yon ti bateau chargé jeune garçon la dan avec un paquet de cartouches pour te bay nèg Jeff Kanarayo là pour porter renfort pour yo et bien m pa ba menti rivé nan mitan la mer ti bateau a te arrivé coulé ensemble avec tout nèg yo et d'après information yo c'était environ 15 soldats qui étaient dans ti bateau a. Et bien qui a le jeune mettre agoué là dans l'enmea kounya là mettre agou kounya là a servi ensemble avec nek sa yo et nous gesson yon autorité nan akaye qui t'a bay tout détail comment ça t'est passé tal comme ça nous va faut vivre tout bagay. N'a pou coup de peine international là côté que la police nan Miami arrêté hier mercredi a nan assoir Jobit Desaline tout monde connaît son nom Cadillac messager selon premier élément information yo artiste la jeune arrestation peut-être li te refuser camper pour yon patrouille la police rete là ou pas jeune tout détail et mes amis sont près de là ça c'est Kepinek Isoyo qui était tombé dans akaye et bien police Itagola après les Iso vinn prend vieux Kepi IVD ça donc et police Itagola fait connaître chaque côté yo mette pi et bien nèg était là yo couri et bien police a là l'a demandé pour Iso vinn prend Kepi là nèg ça là qui était là pas là encore. Eh bien, la police récupère Kepi sa kote ke, la mande Izo vini chercher vie Kepi qui marque IVD sa, mes amis. Nous connaissons que Izo li même li fait base de l'autre façon, li baye tout nèg le uniforme, li met baye nèg Kepi, gilet, maillot normalement, bot, ou en tam de l'an, tout bagay net. Eh bien, Izo li même si on l'ame la, la formé la, et Izo qui gen comme si plusieurs soldats qui tombe nan pote renfort baye Jeff Kanaran. Et c'est tout pour ça nous allons débattre pour avec divers slot. Déjà nous disons merci d'être que vous faites choix de nous pour nous informer ou pas oublier ou sous mon memba bateau nouvelle là n'a pas pause n'a tourner tout de suite. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Et sans parler en pile, nous allons vivre, nous allons regarder comme si comment la police Kenya et la police d'Haïti t'a déployé en de kay côté que chef gang lui-même qui t'a fonctionné ensemble avec Basli. Eh bien, et Basli s'en est côté gagné Kafoupey actuellement là sous contrôle la police. En faut regarder comment la police lui-même t'a déployé là dans base Kafoupey là. Thank you.
Iko watu kwenye gari mkomunicate na wao, sija wakapiga wakadhani ni enemy. Yo lungu rumpiare le lungu rumpiare nani. Et voilà, c'est comme ça, les policiers qui n'y a eu, avec la police d'Haïti, t'as déployé là, dans la base Kafoupé là, côté qui, actuellement là, base Kafoupé là, liste sous contrôle, la police. Là, nous allons faire un petit garde, petit bout d'extrait ça, côté qui, et les policiers, ils t'aiment ça, lui-même, ils t'aiment demandé pour ISO, venir chercher, et vieux équipe là. Il veut dire, il veut dire, après. Et oui, voilà, c'est confirmé. Et Cadillac lui-même était arrêté par la police dans Miami. Mais heureusement, Atisla lui-même était libéré. Et bien, il a demandé pour payer un frais et puis capable de libérer sous condition. N'a pas dit Atisla, pas oublier, c'est pas Haïti là. Et on patrouille la police campée. Ou elle dit, ah, ou t'es peur pour ces bandits qui tapent couru derrière, bah ça ou non. Il campé ou c'est campé. Pour répondre à une question, pour vous proposer, si vous avez un drôle de machine, pourquoi ça a un policier campé et vous avez couru, vous avez filé aller. Vous déjà connaissez que si vous avez un jeune pied devant, mon cher, vous avez couru. Et voilà, quand vous avez entendu, citoyen, c'est lui-même qui a fait tout le détail, combien de bandits qui tombent dans un cahier. Entendez. Et pour le moment, on a parlé là, et même j'ai entendu dans l'introduction, et depuis avant, il y a la police avec la population mis ensemble, la police a fait échange avec bandits, donc il y a plus de là-dedans qui tombent. En plus là-dedans, ils tombé, plus que environ 50 déjà tombé. Dans divers coins, mais environ 50 bandits tombés et dans divers coins. Et ça, c'est capable de partiellement bilan la police, arriver fait par rapport avec l'échange, résistance la police fait avec bandits et population qui accompagne eux, parce que la population est dans tout, capable de coin, dans tout en babanan, même y a orienté la police. Aider la police, ouais, et les messieurs eux-mêmes, ils ont fait route en barrage, route dans le corridor. Ouais, comment est-ce qu'ils ont poussé ou tourné dans la zone côté où ils sont sortis? Parce que Ankaye est une commune historique, une commune stratégique, une commune mystique. Donc, nous ne sommes pas capables de quitter la commune et tomber en bas de mes bandits. Donc, c'est l'identité pays. Malheureusement, messieurs, pas tenu compte de ça. Il n'y a pas qu'on valait pays, il n'y a pas qu'on identité. Ils sont sortis pour attaquer Ankaye. Donc, énergie, et énergie positive yo, avec la police, la population a bien nommé de Et comment nous capables de déchiffrer, en tout cas, chiffre ça, il peut se passer une cinquantaine de bandits qui tombaient, et yo parle non de un petit bateau qui était un bandit à bord, qui t'a porté munitions et renfort par l'équipe qui était sous place, qui fait naufrage. Évidemment, et dans la zone, alors la mer dans zone royal ou l'aime du royal dans zone Saint-A et on t'a traversé pour aller porter cartouche sur zone et on capable de le lit by des hommes lourdement armés ou même qui étaient déjà commencé épuisé et ben ils ont rencontré avec un récif et dans l'échange il a dit il a parlé avec l'autre allié à tel des sorry mais nous frapper dans récif là et puis comme ça ils ont plongé avec toute munition examen ils ont porté donc c'est d'environ une quinzaine. Et tu partis ça, lui-même, lui plonger. Donc, entre autres, 22, mardi dans 22, dans l'après-midi, un groupe qui était apaisé entrer dans l'entrée vite là, eh bien, la population a arrêté la police, orienté la police, eh bien, il y a plus que 22 qui étaient tombés, et sans compter l'autre grain qui tombait à terre, et dans l'échange, dans la rue. Donc, malgré une stratégie, et ils font couverture, ils prennent un coyo, parce qu'ils ont toujours gagné avec leur motocyclette, ils ont toujours gagné avec leur machine, dans toute bataille à mener, mais la police, quand même, frappé en pile. OK. Après ça, l'autre chiffre, ou. Donc, bandit ça, ils sont dans quelle zone comme ça? Donc, on a dit, ils sont tombés dans la zone Thomas, Vigné et Carrefour-Poix. Et c'est dans la zone ça où il était plus à faire résistance avec la police, et puis c'est dans la zone ça où il est tombé. C'est dans la zone ça où il fait un pile de gars, et il boule un pile de gars, et il boule des machines qui viennent sur route. Donc tout ça vient sur route. Mais tu fais la donne, et un pile de gars, constate on a dit, deux tiers de la population sont déplacés. Alors, et grand monde,
si moun a fait femme, alors moun en troisième âge, déplacé, monté dans la section communale, pourquoi on a parlé là, malheureusement, pas gain infrastructure sanitaire, pas gain infrastructure sanitaire, pas gain de l'eau potable dans la section communale, et aucun partenaire, par exemple, privé, depuis le 10, premier bataille, il a commencé avec nous, c'était le 10, il a été fonti posé, il y a les renforts, c'était toujours tourné. Aucun partenaire qui n'irait à prendre, mais pourquoi j'aime faire échange, même l'État ici au plus haut niveau, pour qu'on même, pour qu'on ait un support avec les gens qui ont une situation vraiment critique. Et pendant qu'on a parlé là, on a dit encore, la police a fait résistance, mais il y a un petit nombre. Donc, nous avons besoin de support de l'armée d'Haïti, qui nous connaît là, nous avons une force militaire nationale là, qui là, nous n'avons pas de présence, et monsieur a progressé et graduellement, et pour voir comment il est arrivé sur nous, parce que chaque lèvre est tombé, ça n'a pas empêché que. Ils ont renforcé tête parce qu'ils sont riches en ressources humaines. Ils ont renforcé tête et comment ils sont capables d'atteindre une commune. Mais jusqu'à présent, j'en ai dit là, pour, la police avec la population a mis tête ensemble pour comment est-ce qu'ils sont capables de faire résistance, pousser en attendant que l'État central là, des héros lui-même, ou bien au état-major police là, comment est-ce qu'ils sont capables de renforcer l'équipe là et ben nous, et possibilité pour nous pousser et même quitter l'arrondissement parce que Akaye Kabaret, c'est des ailes de même oiseau. C'est parce que tu es siégé cabaret qui fait que y a une possibilité, je dis, pour est-ce que tu es capable de tout prendre arrondissement qui c'est Akaye et qui c'est chefferie arrondissement. Donc c'est une bataille ça nous est là. Et pendant que je parle avec voilà, il y a un problème de signal. On a lancé un SOS avec les compagnies de télécommunication pour regarder comment est-ce que tu es capable d'alimenter les zones avec signal. Ça a vraiment critique. Les populations ont gardé ça à l'aide. C'est chaque fois après elle gagner des gens de Zaks à annoncer des zones, notamment Akaye. Et puis. C'est le tombé, n'a comme tombé. Donc, c'est parce que nous avons son wifi brun là, son côté me campé, pour comment est-ce qu'il est capable d'échanger avec Radio Caraïbe et sous sa capacité à Caraïbe. Oui. Alors, il y a une information qui fait quoi que tu as gagné un renfort qui t'a parlé jeune la police là. Et monsieur, tu as vidé un camion roche sur route là, dans la zone sous mat là. Et également, tu as coupé pont Bethel là. Et après, tu as mis des bails sous les. Comme une sorte de piège pour la police nationale d'Haïti. Est-ce qu'on a des informations sur ça également? Oui, dans la matinée, il y a deux chars qui descendent et ils renforcent nous, malheureusement. Et monsieur, eux-mêmes, ils ont campé à tirer avec chars. Ils ont mis roche dans la route là. Et en plus, un pont bétail là, c'est cabaret. Et monsieur, ils ont crasé et censé briser le pont pour empêcher que la police passe. Mais il y a de l'autre moyen, il ben, y a une voie maritime que la police a utilisé, l'armée a utilisé, et il y a une voie aérienne qui a utilisé, même gens avant hier, ils ont porté des renforts avec l'unité qui l'a eu, c'est pas voie aérienne dans l'hélicoptère. Donc, je pense que l'État a gagné l'autre moyen de transport pour être capable de rejoindre la population, pour supporter la population, pour aider à mettre les malfois à eux dehors, qui eux-mêmes, on est capable. Une sale image pays, parce que l'on dit Akaye, la cité du drapeau, c'est l'identité pays d'Haïti. C'est là qu'il y a une devise pays, vous comprenez, l'union fait la force. Oui, donc, je dis, on a une situation vraiment difficile. On a pas fini. Et chiffres, une cinquantaine de bandits qui tombent, c'est des chiffres qui sont vérifiables? Donc, approximativement, nous sommes capables de dire, en cinquantaine, parce que lundi, il y a 15 qui tombent, il y a l'autre 22, il y a environ 10 à 15 encore qui tombent dans la région, que nous sommes capables de constater. Et dans le moment où je suis tapé, c'est élevé. Donc, approximativement, environ cinquantaine qui tombent, malgré tout, il y a des gens dans la population civile, la monde qui était là, caillou, qui a tiré, qui prend balle, qui ont même beaucoup lié là. Et malheureusement, il n'y a pas de soins pour eux, mais qui évacuent quand même avec famille. Donc, il y a un côté nous pas capable de pénétrer pour nous évaluer, pour nous dire chiffre là, combien de. Mais au niveau de la police et nationale, dit bravo, population bravo, mais effectif là, il est trop faible. On a demandé au plus haut niveau pour renforcer la médaille, mettre pied à terre pour voir comment est-ce que nous avons mis ça. D'accord. Merci un peu, Wilner Awone, n'a pas rappelé aussi un point focal, la protection civile dans Akaye. Avant, on a parlé avec invité nous matin, qui c'est Reginald Delva, qui c'est ancien secrétaire d'État, sécurité publique, ancien ministre également. Donc, on a parlé avec lui et tout à l'heure. Mais bon, nous permettre porte-parole PNH là, Lionel Lazare, qui était souhaité
quelques précisions sur l'effort les dit PNH là a fait pour capable contrecarrer Zaka Bandio. Lionel Lazare, bonjour. Nous saluons tout auditeur, auditrice et Cap-Côté Radio Caraïbes en Haïti ou à l'étranger. C'est un plaisir pour ensemble avec nous matin dans le cadre d'échange que nous allons faire sur ensemble l'intervention que l'opération que la police a menée sur plusieurs fronts dans plusieurs zones. Opération, alors, intervention, c'est dans la zone Solino, c'est à Caye. Comment ça y est? Effectivement, nous connaissons que pendant un bon bout de temps là, depuis le 17, il y a une situation qui a développé dans plusieurs zones, et dans l'aire métropolitaine et puis dans la commune Akaye. Par rapport avec ensemble de problèmes qui gagnent la police nationale d'Haïti à travers plusieurs unités spécialisées, l'ICPA, au commandement de la police là, par exemple, un fois et négligé pour te permettre de répondre avec appel population pour te répondre avec sa capacité là. Et dans la commune Akaye, témoignage est clair que la police est renforcée et repoussée, monsieur Bandio, qui a tenté d'entrer et prendre villa au niveau de commune et Akaye, et il y a des dispositions qu'il prend pour être capable de renforcer quantité de unités spécialisées ou matérielles dans la commune Akaye pour empêcher que malfrats atteignent avec objectif qui se prend ville et Akaye. Et dans pile, monsieur Bandio qui est mortellement blessé, gens que les citoyens Akaye les sont dit, et la police pas baissé les bras, la police a continué le travail pour permettre que monsieur atteigne objectif. C'est pas seulement au niveau de Akaye, dans Balatibonit, par exemple. Dans le moment que nous parlons avec nous, la police prend contrôle de Kafoupey. Nous connaissons que c'était une véritable zone, côté que monsieur était toujours connaissant sa rien pour nous rentrer sous la RIA pour aller foncer des actes sous la RIA. Et témoignage pour prouver en fil monde dit que pour le moment il va et vient qu'a fait sur route nationale là côté que la police pas seulement campé au niveau de blindés pour la bataille mais la police était pilotée sur route nationale là pour permettre gagner circulation qui fait normal sur route nationale là sorti Gonaïves rivé d'Esther sorti et l'Esther arrivé et c'est ma. Au niveau de l'Esther, il y a des dispositions qu'on prend là le plus vite que possible par rapport à ensemble de annonces, ensemble des messages que service renseignement que la police a gagné au niveau de commandement tout. Il y a des dispositions qu'on prend pour capable de renforcer l'Esther. Si on la police qui a bataille sur plusieurs fronts, par rapport à ça, qui vient là, journée jeudi, là. Et dans bas de la villa, dans Solino, dans Delma 24, la police est dans la base là pour permettre que y ait un contrôle de situation, pour permettre que y ait fait intervention à temps réel dans la minute que on sait où il y a passé. Dans Solino, la police présente, il y a plusieurs unités spécialisées qui là, il y a des matériels qui travaillent au niveau de Solino pour permettre que y ait capable de mettre monsieur Odeo dans la zone ça et permettre que la population capable de retourner vivre dans la zone que l'IOT retourne. Ça fait que, je vous dis, l'important, l'innécessaire, nous avons la police qui travaille sur plusieurs fronts. La police dans Crécy, la police dans Balaville, la police dans Solibo, dans Delma 24, dans Taba 27, dans Kouadebouquet, dans Akaye, dans Balatibonit là, c'est la police qui motivée et c'est ensemble de policiers que nous gagnons qui motivé pour contrer la réaction monsieur. C'est pas sans raison qui fait que commandement toujours mandé population et je dis à nous qui importance et nous comment que mariage là Jacques Johnny t'a dit là dans mise en contexte là côté que mariage ça pour qu'il est là pardon pour qu'il ait mariage là. Et son mariage que police, population, que directeur général de la police, M. Nomil Rameau, depuis qu'elle prend tête la police là,
et les vignes ensemble avec lui, pour louer Maria et ça, la bas résultat dans Akaye, la bas résultat dans Sol Solino, la bas résultat dans paquet de l'autre côté. Ça fait que c'est pas un mariage, pas quoi que commandement, pas quoi que a bien divorce la question Maria et ça. Son mariage qui soudé pour la vie, ok, ça fait que je vous dis à la non. Encourager tout le monde dans le pays, journalistes et l'autre monde qui est dans la société, encourager la police, là, en monter moral policier par rapport à ça que là, je vous dis, et tout le monde constater que la police nationale d'Haïti, campé sous DP militaire, DP policier, je vous dis à la, qui ont une semaine de yon, qui n'ont pas de travail, qui pour que j'aime rentrer dans n'en pas yo. Donc, c'est à féliciter, c'est à encourager, et c'est une situation et difficile que nous avons vu aujourd'hui là, mais la police, dans le cadre de mission, dans le cadre de travail, par le directeur général de la police là, à tout commandement, la police là, le commandement élargi là, on a parlé de West 1, West 2, Pétionville, responsable Ital, responsable CMPA, l'autre côté, pas des bouquets, et tout l'autre côté, mettez-vous ensemble pour permettre que vous réponse que vous pouvez. Donc, c'est la police qui a boumé, nous demander la population pour collaborer, continuer à collaborer avec la police nationale d'Haïti et puis tout le monde qui est dans la société, dans plusieurs secteurs, en encourager. Il faut, je vous dis, la police nous a fait, il faut, commandement la police a fait, je ne vous dis là, pour capable résoudre problème et insécurité là, nous connaissons que avec le peu que la police a gagné, mais la police a pas failli avec mission. Et donc la police qui a bataille, la police qui a travaillé, on encourage policiers nous et à travers gouvernement tout gagne en pile des marches qu'a fait pour permettre que la police a gagné de nouveaux matériels. Qui est capable de répondre par rapport à l'exigence qui vient la journée aujourd'hui. Lazare, et bon, et en tout cas, c'est toujours bon que la police lui-même est mobilisée en dépit de complexité de situation. Nous-mêmes, nous toujours encourager l'effort que la police l'a fait. Mais quand même, il n'empêche que y a des reproches. Par exemple, c'est vrai que la police l'a mobilisée dans un contexte qui est difficile, la police a bataille. Mais mon yo plus souhait que la police là c'est après l'obel en fin pété en général que la police là vini et volet prévention hein, au niveau de la police qui ça qui bloqué qui fait que je dis là la police pas anticipé action bandi yo. Est-ce que bon problème au niveau de service de renseignement la police là qui fait que la police là toujours abvin répliquer par rapport à attaque bandien au lieu que la police là lui-même l'ait anticipé le pas quitter bandien attaqué. Bon, c'est une très belle question que vous posez là, mais faut que nous doutons par rapport à ça qui a passé là yo. Puisque la police qui a travaillé, qui a fait opération sur plusieurs fronts, dans plusieurs zones, ça arrivait que gagnait une information qui baille de ponts zone, et puis tout bagaille la les vignes passer, la police qui va pas gagner temps arrivé à temps, ok, par rapport avec ça, qui vient et passer à. Mais dans le cadre de rencontre, qui gagne directeur général de la police là avec plusieurs responsables qui dans l'enseignement qui et plusieurs côtés en dans institution accentue sur ça en pile c'est ça faut que je dis à la bon équipe qui là qui à chaque fois que gagne des informations qui dit par rapport avec ça que monsieur Bandi dit au pas fait pour y garder faisabilité, pour y garder qui ça capable de faire. Par exemple, tu allais à Johnny parler de Lester. Eh bien, la police qui est en prend disposition là pour renforcer Lester, pour empêcher que monsieur yo commette action que yo toujours dit, yo pas le fait. Donc, et commandement la police là, directeur général la police là, qui là, eh bien, il y a des instructions fermes qui passent sur question information SAO, qui donc doit une réponse qui baille à chaque fois que information SAO prend la rue et qu'on équipe Chandoula qui l'a même pour ça, pour traiter information, partager au côté que vous doit partager, et puis tout pour vous bailler
pour nous empêcher que gagne des bagailles qui arrivent. Donc nous-mêmes au niveau commandement la police là, service communication la police là, donc information ça yo, donc pas prend yo à la légère. Qui donc commandement travail et c'est on là pour dire que nous dit là qui a travaillé sur plusieurs fonds a fait opération paquet de côté et donc ça capable arriver bon bagage qui passait mais ça va veut dire que la police absent ça va veut dire que la police pas répondre ou bien pas répondre avec une série de bagay qui a passé, c'est par ça raison qui fait nous toujours dire mon yo on collaborer avec la police là et Johnny te dit tout à l'heure guerrier tout te dit donc la police là et son maillon dans la chaîne tout donc tout l'autre secteur qui gagnait pour nous contribuer à la question résoudre l'insécurité, que nous faisons ensemble pour résoudre le problème d'insécurité. Et qui gagne là, et à l'heure, moi, je te dis, c'est que le gouvernement a travaillé pour permettre que l'autre moyen pour la police à joindre pour faire face carré avec ça qui gagne la journée, je dis. Merci un peu, Lionel Lazare. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.